Les amis, bienvenue sur Super Keto, bienvenue sur ma chaîne sur le régime cétogène où aujourd'hui on va parler encore une fois de sport en relation avec l'oxydation des graisses, en relation avec le métabolisme cétogène, quels sont les sports qui permettent d'oxyder le plus de graisse, etc. En fait, la dernière vidéo que j'ai faite, elle vous partageait un peu mon expérience, c'est-à-dire que j'ai changé ma routine sportive pour essayer d'oxyder justement, de métaboliser plus de graisse, d'avoir un physique plus sec que ce que je n'ai, que ce que j'ai actuellement. Et en fait, cette vidéo a généré un certain nombre de questions, j'ai trouvé ça assez intéressant. Dont une notamment, alors... Donc c'est Sylvie Savary qui dit « Coucou Johan, peux-tu faire une vidéo explicative sur les questions anaérobie, aérobie, etc. ?» Pourquoi tu dis qu'on ne brûle pas de gras en HIIT? Pour moi, c'est le meilleur brûleur de gras avec la muscu, alors que le cardio ne fait pas grand-chose. Bref, je suis larguée. En fait, ce qu'elle dit et la façon dont elle le dit montre qu'il y a pas mal de confusion dans les termes et que finalement, effectivement, on ne sait plus exactement ce qu'on devrait faire pour brûler plus de gras. Donc, comme son commentaire a été pas mal liké, en fait, son commentaire a été liké 18 fois, je me suis dit que c'était intéressant en fait d'en parler plus en détail. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à liker cette vidéo. C'est important pour moi de savoir si c'est des thèmes qui vous intéressent de développer ou si vous préférez que je me recentre sur l'alimentation. Bon, in fine, je fais quand même toujours ce que je veux, mais c'est important pour moi parce que votre avis compte quand même. Et vos questions, en fait, sont intéressantes pour savoir ce qu'il faut développer finalement. Alors, avant de commencer cette vidéo, il faut que je fasse deux disclaimers. Le premier, c'est que dans cette vidéo, je vais surtout parler de l'effet de certains sports sur un métabolisme cétogène. Il faut bien comprendre que un métabolisme brûleur de sucre ne va pas réagir pareil à ses activités et que les conseils que vous donnent les coachs en salle de sport sont très souvent en fait à destination de métabolismes qui brûlent du sucre parce que eux dans leurs études on leur apprend surtout ça, on leur apprend comment fonctionne un métabolisme moyen, et en fait le métabolisme moyen est aujourd'hui brûleur de sucre. Alors du coup, je suis pas en train de dire que ce qu'ils disent est faux, pas du tout, mais je suis en train de dire que c'est à recontextualiser et qu'il y a des choses qu'ils vous disent qui peuvent ne pas s'appliquer à vous parce que vous êtes adapté, ou parce que vous avez un métabolisme en phase d'adaptation, ou parce que vous avez un métabolisme... Voilà, enfin, vous voyez, c'est important de contextualiser ce qui est dit. Deuxième chose, pour ceux qui arrivent sur cette vidéo et qui ne me connaîtraient pas, je suis coach en diète cétogène et low carb. Je ne suis pas habilitée à faire des programmes de sport, je n'ai pas de formation de coach sportif, donc ce que je dis va rester général et s'appuie sur mes bases de connaissances du métabolisme et ce que j'ai lu. Mais par contre, il faut être conscient que n'étant pas coach, je ne peux pas vous indiquer un programme sportif à vous en particulier, je ne peux pas vous dire ce que vous devez pratiquer pour perdre du gras. Ce que je vais vous dire aujourd'hui est assez général et va servir à clarifier la situation pour que vous puissiez faire des choix et tester des choses. Voilà. La question de Sylvie finalement dit, bon, est-ce qu'il faut faire du cardio? Est-ce qu'il faut faire du HIIT? Est-ce qu'il faut faire de la muscu? Je pense qu'il faut qu'on soit précis sur les termes. Une activité cardio, ce qu'on appelle le cardio training, bah, c'est une activité qui stimule surtout l'efficacité et la force de votre cœur, à la fois du point de vue cardiovasculaire et du point de vue cardio-respiratoire. En fait, c'est important parce que c'est pas une activité qui stimule un skill musculaire ou qui va induire une très forte intensité dans un groupe musculaire particulier. Ça stimule le cœur, qui est un muscle, hein, mais alors, donc ça va améliorer sa résistance et son efficacité. C'est très important pour rester en bonne santé et pour être capable de tenir des activités d'endurance. Ceux qui écoutent mes vidéos m'ont déjà entendu dire que c'était pas les activités les plus brûleuses de gras. Donc on peut légitimement se poser la question, est-ce que ces activités cardiovasculaires qui ont quand même eu la réputation pendant longtemps de faire maigrir, est-ce que ces activités font réellement brûler du gras? N'oubliez pas hein, que cette réputation de faire maigrir, elle est valable surtout pour des brûleurs de sucre. Je ne vais pas rentrer dans le détail du fonctionnement, mais elle fait effectivement perdre du poids aux gens qui brûlent du sucre. Est-ce que nous, hein, pour un métabolisme cétogène, cette activité cardiovasculaire est brûleuse de gras? La réponse, c'est ça dépend. Ça dépend si elle est pratiquée en aérobie ou en anaérobie.
Donc, Sylvie, dans sa question, demandait est-ce qu'on peut faire un point sur aérobie et anaérobie? En fait, dans les deux mots, vous entendez aéro, donc l'air. Ça implique une utilisation ou pas d'oxygène. Votre métabolisme, quand il va utiliser de l'oxygène, peut brûler certains carburants. Quand il n'en utilise plus, ne peut plus brûler certains carburants. Donc, quand vous êtes en aérobie, c'est-à-dire une activité où vous utilisez encore de l'oxygène pour métaboliser vos carburants, vous pouvez brûler du gras. Et vous pouvez aussi brûler du sucre, il y en a, mais vous êtes en cétogène, donc vous allez brûler du gras. Votre métabolisme est capable. Par contre, quand vous passez en anaérobie, là, votre métabolisme ne peut plus brûler de gras. C'est valable aussi pour quelqu'un qui mange du sucre. Parce qu'en fait, vous êtes à une intensité telle que votre corps a besoin d'un carburant qui soit plus rapide, plus facile à brûler, et donc il va utiliser du sucre. Vous allez me dire, bah oui, mais moi je suis en cétogène, je ne mange pas de sucre, donc qu'est-ce que je brûle concrètement? Bah, vous brûlez en 1 votre réserve de glycogène. Comme je vous le dis souvent, la diète cétogène maintient un taux de glycogène, certes assez faible dans les muscles, mais suffisant pour pouvoir faire ce genre d'activité. Donc vous allez d'abord brûler votre réserve de glycogène musculaire. Et si jamais l'activité se prolonge et que vous n'avez plus de glycogène, eh bien le corps aura recours à des techniques de néoglucogénèse pour vous donner du sucre. Là vous voyez pourquoi je vous dis qu'en anaérobie, vous ne brûlez pas de gras. Parce que métaboliquement, ce n'est pas possible. À cette intensité, ce n'est pas possible. Alors, comment on sait qu'on est en aérobie ou anaérobie? Ben ça, soit vous avez une montre connectée, un bracelet, un Fitbit, ce genre de choses. Ils ont des fonctions pour le cardio, en fait, et ils vous mesurent les battements par minute de votre corps, et ils vous calculent à peu près quelle est la zone où vous allez basculer de l'aérobie à l'anaérobie. Faut quand même savoir que c'est pas précis, c'est construit sur des algorithmes et que ceux qui se connaissent bien, qui ont l'habitude de leur zone de cardio aérobie, anaérobie, ils savent à quel moment ils basculent et des fois ça correspond pas très bien à ce que dit la montre. En plus des fois la montre a du retard, etc. Enfin moi j'avais déjà remarqué en m'entraînant que parfois je suis plus, parfois je suis pas encore en anaérobie, je le sens à ma respiration, à mon rythme, mais lui il me dit « Ah mais tu y es !» Non, il faut savoir que c'est pas particulièrement précis. Si vous n'avez pas de bracelet, de montre, de choses comme ça, en gros, la différence, c'est que quand vous êtes en aérobie, vous pouvez toujours respirer normalement, parler normalement, votre battement de cœur est normal. Quand vous passez en anaérobie, la respiration est plus rapide, vous pouvez plus parler pendant l'activité, il y a tout qui s'accélère. Voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on sent la différence. Et il faut savoir que plus une personne travaille son cardio et s'entraîne à différentes intensités, plus elle arrive à monter en BPM, en battements par minute, sans pour autant avoir basculé en anaérobie. C'est-à-dire qu'en fait, plus une personne s'entraîne, plus elle va repousser sa limite de bascule entre l'aérobie et l'anaérobie. Mais c'est vrai qu'il y a une confusion dans le vocabulaire, parce qu'on a tendance à dire cardio pour les activités cardio en anaérobie. Alors qu'en fait, on devrait toujours préciser cardio-aérobie ou cardio-anaérobie. Bon voilà, j'espère vraiment que j'ai réussi à être claire sur cette notion-là, qui est importante pour comprendre tout le reste, parce que toutes les activités que vous faites, vous pouvez les faire en aérobie ou en anaérobie. Vous pouvez faire de la muscu en aérobie, mais vous pouvez aussi y aller comme un fou, ne pas prendre de temps de récupération suffisant, faire des mouvements d'haltéro très intenses et vous placer en anaérobie. En fait, tout est question d'intensité et en fonction de l'intensité que vous mettez, bah, vous allez être en aérobie ou en anaérobie. Maintenant, je suis désolée, je dégouline en fait de chaud. Je me suis mis là parce que je pouvais pas me mettre dans ma cuisine tellement il fait chaud. Là, je sens la transpiration qui passe ici, je dois avoir l'air d'une folle. Deuxième point, puisqu'on parle d'intensité, pourquoi on a tendance à dire que le HIIT la formule qui permet de brûler le plus de gras? En fait, le HIIT, qu'est-ce que c'est? Ça ne définit pas une activité particulière, parce que HIIT, c'est High Intensity Interval Training, donc ça définit un rythme d'activité. En fait, vous pouvez pratiquer ce que vous voulez en HIIT, vous pouvez faire de la course à pied, du vélo elliptique, de la corde à sauter, des burpees, des pompes en HIIT si vous voulez. Donc vous prenez n'importe quel exercice et vous allez faire en intervalles, et c'est des intervalles qui en général alternent un intervalle
enfin un temps très intense à un temps moins intense de récupération. Ces exercices sont en général à temps court, entre 5 et 30 minutes, et ils sont destinés à vous placer en anaérobie parce que c'est très intense. Vous allez très vite être en anaérobie, même si vous avez des temps de récupération. En fait, ces temps de récupération sont trop courts pour que vous puissiez revenir en aérobie. Donc vous êtes très vite en anaérobie. Pourquoi on pense que ces activités-là sont quand même brûleuses de graisse alors qu'elles sont en anaérobie? Je viens de vous dire qu'on brûlait que du sucre. Parce que on a certains scientifiques qui sont intéressés au métabolisme cétogène. On a Finlay Volek, mais on a aussi Dominique D'Agostino, on a aussi Peter Attia, qui ont fait pas mal d'études sur des sportifs céto-adaptés, et notamment des cyclistes, mais pas que. Et chez ces sportifs, on s'aperçoit que sur le moment, effectivement, en anaérobie, ils ne brûlent que du sucre. Par contre, quand ils reviennent en aérobie, ils se remettent à dégrader du gras, et cette fois-ci à une vitesse accélérée. Alors, vous dire pourquoi et comment, je ne sais pas, parce que en fait, dans l'étude, c'est pas vraiment expliqué. Ils le constatent. Ils constatent juste que quand les cyclistes reviennent en aérobie, eh bien, ils oxydent du gras, et ils oxydent du gras à une vitesse accélérée. Alors ça, ils le calculent justement avec des appareils respiratoires qui mesurent le quotient respiratoire, qui mesurent quel pourcentage de sucre et de gras est brûlé, et donc grâce à ça, ils arrivent à savoir à quel rythme le corps oxyde du gras. Et donc, ils constatent qu'effectivement, revenu en aérobie, après l'exercice, ou même pendant l'exercice qui continue mais moins fort, eh bien le corps, ça brûle. Donc on pense que ça peut être très efficace. Alors pourquoi on dit que c'est mieux à la suite d'une séance de renforcement musculaire, de muscu ou d'autres choses? Le renforcement musculaire, la muscu, ce genre d'activité va être pratiqué à une intensité moyenne à intense en fonction de comment vous le pratiquez. Vous pouvez le faire, vous voyez, on voit toujours des gens à la salle qui sont là avec le téléphone dans une main et la machine dans l'autre en train de faire ça. Bon, clairement là ils brassent de l'air, hein. Mais en fonction de comment vous pratiquez, vous êtes dans une intensité moyenne à intense. Vous allez rester en aérobie, faire des petits pics en anaérobie, mais en moyenne vous restez en aérobie si vous prenez des temps de récupération suffisants. Et comme c'est une activité qui sollicite des fibres rouges, les fibres rouges de vos muscles sont des fibres qui recrutent beaucoup de mitochondries. C'est-à-dire que sur le moment, vous ne brûlez peut-être pas des quantités astronomiques de gras, mais surtout, vous stimulez votre métabolisme sur le long terme. Donc en fait, vous brûlez du gras modéré sur le moment de l'exercice, et de manière générale, vous stimulez votre système mitochondrial qui fait que votre métabolisme est plus élevé au quotidien sur le long terme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous avez deux effets. Et on peut penser que sur le moment, ça peut être intéressant de prolonger votre séance où vous avez brûlé du gras modérément par une séance d'intervalle training où vous allez changer complètement de rythme, aller en anaérobie et brûler du gras en after effect. Donc, est-ce que ça marche réellement? Honnêtement, le mieux c'est de tester pour vous. Et c'est pour ça que moi je suis en train de tester, c'est-à-dire qu'en ce moment, je me lance en ce moment dans le protocole, à la fin de ma séance de muscu, je me fais un petit intervalle training, pas très long, qui va me permettre de tester si c'est vrai ou non. A l'inverse, est-ce qu'un cardio en aérobie peut faire brûler du gras? Sur le principe, oui. C'est-à-dire que, comme je vous disais, si vous restez en aérobie, vous brûlez des graisses. Donc, si vous faites un cardio en aérobie, j'en sais rien, ça peut être du vélo elliptique, ça peut être de la course à pied à un rythme qui vous permet de rester en aérobie, ça peut être du rameur, ça peut être du vélo, vous allez brûler des graisses. Mais à quel rythme? En fait, comme ces activités-là, comme je vous ai dit, ne sélectionnent pas les fibres rouges et ne sélectionnent pas une intensité musculaire très forte, vous n'allez pas recruter énormément de mitochondries et vous n'allez pas, sur le long terme, solliciter beaucoup votre métabolisme. Vous brûlez quand même du gras, c'est quand même une activité qui vous permet d'utiliser votre énergie, mais ça ne vous fait pas un métabolisme de feu sur le long terme. Voilà, c'est ça la différence, et c'est pour ça que je dis qu'une activité telle que la musculation, l'haltérophilie ou n'importe quoi qui sélectionne vraiment les fibres rouges va vous permettre de brûler sur le moment et sur le long terme. Mais, et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de le tester, je pense vraiment que c'est possible d'augmenter cette efficacité en ajoutant un HIIT à la fin. En tout cas, on va voir. Je pense que
notre corps, c'est un super terrain d'expérience et que on peut vraiment faire plein de choses avec. Et plutôt que de lire les théories, le mieux c'est quand même de tester et de voir ce qui fonctionne pour vous. Parce que finalement, on est tous différents, avec des métabolismes différents et des besoins différents et des consommations de matières grasses différentes. Et donc du coup, il n'y a pas une recette magique. Il y a quelque chose qui va fonctionner pour vous. Et en plus de ça, il faut faire avec vos goûts. Parce que si vous vous forcez à faire une activité parce que vous pensez que c'est l'activité reine de brûlage de gras, mais qu'en fait vous détestez, vous n'allez pas le faire et vous allez très vite abandonner, même si c'est très efficace, vous allez abandonner. Et je pense en fait qu'on est prévu pour faire des activités différentes, avec des rythmes différents, que c'est important pour notre corps d'être capable de faire des activités à intensité différente, c'est important pour notre système respiratoire, cardiovasculaire, pour nos muscles, etc. Et qu'on a besoin de faire des activités différentes, de solliciter des fonctions différentes et parce que notre machine doit être fonctionnelle. Donc voilà, j'espère que ma vidéo a un peu clarifié la situation. J'en suis pas persuadée, j'ai aucune lucidité, je dégouline de partout, c'est horrible, c'est vraiment une chaleur horrible. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a encore des questions, si vous avez besoin d'une vidéo supplémentaire pour expliquer quelque chose. En tout cas, c'est sûr, j'essaierai de vous faire un retour sur ce qui a marché et pas marché pour moi. Et je vous dis à très bientôt dans la télé-réalité de cette vidéo.